Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la réalisation d'un châle de forme triangulaire. J'en ai commencé un ici, en blanc. Donc ça vous donne une idée du rendu, il n'est pas terminé. Mais pour plus de visibilité, je vais en commencer un autre avec une laine un petit peu plus visible que cette laine blanche qui est une laine angora. Alors, je vais prendre de la laine qui se crochette normalement avec un crochet numéro 4, mais moi je vais l'utiliser avec un crochet numéro 5. Je prends toujours une taille au-dessus, comme ça le rendu est un petit peu plus souple. Alors je commence par faire mon nœud de départ. Alors vous allez voir, hein, c'est vraiment un tuto pour les débutantes. Voilà. Et je vais monter 5 mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre et 5. Ensuite, je vais venir piquer dans la première maille. J'attrape le fil, je le sors sur la première boucle et je le ressors sur la seconde. Et ça nous donne ici un petit cercle dans lequel on va venir travailler. Donc je resserre mon nœud de départ qui s'est écarté. Ça, c'est pas bien gênant. Voilà. Alors, je vais monter 4 mailles en l'air. Une, deux, trois et quatre. Ces 4 premières mailles vont former notre première bride. Et il va m'en falloir 5. Donc j'en ajoute 4. Je fais un jeté et je pique au centre de mon cercle. Donc j'écarte pour que vous voyez bien. Et je fais une bride. En même temps que je vais faire les brides, ce petit fil-là va se retrouver emprisonné dans les mailles. Donc il ne nous gênera plus. Donc là, c'est ma deuxième bride. Troisième. Quatrième. Cinquième. Je vais monter 3 mailles en l'air. Une, deux, trois. En fait, ce sont 3 mailles de séparation qu'on refera à chaque fois. Alors là, j'ai ma pelote qui s'est un peu emmêlée. Voilà. Pardon. Alors, je vais refaire 5 brides. Une, deux. Donc là, vous voyez, le fil, il commence à se fondre dans le travail. Trois.
et 5. Donc là, on a le triangle, ça fait un petit triangle, le petit triangle de départ de notre châle qui va aller en s'étendant de chaque côté puisqu'on va faire des augmentations régulières. Alors, une fois que vous êtes arrivé à cette étape-là, tout le reste, c'est facile. Je monte 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne le travail. Et dans le premier trou qui est là, celui-là, tout en haut à droite, je vais faire 3 brides dans le même trou. C'est notre première augmentation. Mais attention, là, j'ai déjà une bride. C'est les 3 mailles en l'air que j'ai faites quand j'ai tourné mon travail. Donc là, j'en ai une, j'en ai deux. Et 3. Et maintenant, je vais faire une bride dans chaque maille jusqu'à arriver à ce grand trou là où on avait fait les 3 mailles en l'air. J'en ajoute une là. Et une ici. Voilà. Là, j'arrive à mes 3 mailles de séparation. Ici, je vais faire 2 brides. Une. Deux. Je refais 3 mailles en l'air. Une. 2, 3, je refais 2 brides, toujours dans le grand trou du milieu. Voilà, donc là on a contourné en fait le virage. Et à partir de là, je vais refaire une maille, enfin une bride, pardon, dans chaque maille. Donc, on a ici, je récapitule, nos 3 mailles en l'air juste avant de tourner le travail. 2 brides dans le même trou. Une bride dans chaque maille jusqu'au grand trou du milieu, dans lequel on a fait 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Et là, on fait une bride dans chaque maille. Alors, la dernière ici est un petit peu plus difficile à attraper, mais je vais y arriver. Mon crochet est un petit peu gros. Bon, après ça va tout seul. Voilà. Bien. Arrivé là, nous allons faire dans cette dernière maille ici, nous allons faire 2 brides supplémentaires. Je monte 3 mailles en l'air, je tourne mon travail. Et je recommence. Donc là, on a bien les 3 mailles en l'air. Je vais faire 2 brides dans
le premier trou, ce qui m'en fera 3 au total. Une maille, une bride, pardon, dans chaque maille. Et ça va être toujours la même chose. Voilà, j'arrive à mes 3 mailles en l'air du milieu, je fais 2 brides. Je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je refais 2 brides au centre, 1, 2, une bride dans chaque maille. Je m'en mets les pinceaux. Voilà, arrivé au bout, je refais 2 mailles dans le même trou pour en avoir 3. Je refais 3 mailles en l'air, je tourne le travail, je refais 2 brides ici dans le même trou. Je vais refaire une bride dans chaque maille. Arrivé au milieu, on fait 2 brides à l'intérieur, 3 mailles en l'air, 2 brides à l'intérieur. Une bride dans chaque maille. Arrivé au bout, on en refait 2 dans la même maille de fin. 3 mailles en l'air, je tourne mon travail et ainsi de suite. Vous avez là le début de votre châle, uniquement fait avec des brides. J'espère que cette vidéo a été assez claire, assez visible pour toutes les débutantes qui, comme moi, veulent se lancer dans la réalisation d'un châle. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.